Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Autism Safe Diet, une chaîne qui sera dédiée à partager mon expérience avec l'autisme. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette de muffin au chocolat et à la farine de noix de coco. La farine de noix de coco qui est une farine très très riche et qui a un indice glycémique très bas. Donc pour faire cette recette, on aura besoin de farine de coco, qu'on va mélanger dans un bol avec la fécule de tapioca, la poudre de cacao, la poudre à pâte, les bicarbonates de soude et une pincée de sel. Donc on va mélanger tous les ingrédients secs et on va les mettre de côté. Puis dans un autre bol, on va mélanger nos œufs avec les deux bananes écrasées. Puis on va ajouter à ça notre sirop d'érable avec l'huile de coco et finalement l'extrait de vanille. Donc on va bien mélanger les ingrédients liquides. Puis on va y ajouter nos ingrédients secs et on s'assure de bien mélanger le tout pour ne pas avoir de grumeaux. Comme vous voyez ici, j'ai utilisé juste une cuillère pour le faire, comme vous pouvez utiliser un batteur électrique aussi, ça va faciliter la tâche pour le mélange. Donc une fois que notre pâte est prête, on va la mettre dans des petits moules à muffin. Puis on va mettre le tout au four qui est préchauffé à 180 degrés pour à peu près 25 minutes. Donc voilà le résultat final. Comme vous voyez, on obtient des muffins moelleux, bien aérés à l'intérieur et qui goûtent très très bon. Donc voilà pour la recette d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, que vous allez l'essayer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Pour voir mes autres recettes, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien ici. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.